salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va, fou? Ça va très très bien. Très hâte de voir ce que ce deck là nous prépare pour la prochaine game. Très très sympa. On a déjà drafté le deck dans la vidéo précédente. Vous pouvez aller la voir. Elle est sortie il y a deux jours, bien évidemment. On a fait aussi la première game que l'on a remportée, comme en témoigne le score affiché sur l'écran. Avant de regarder cette vidéo et qu'on fasse les deux dernières games de ce BO3, je vous invite à anticiper la confiance, à laisser votre meilleur pouce bleu, à partager dans l'espace commentaire, à suivre la chaîne si jamais vous ne la suivez pas. Le petit abonnement. Et puis, n'hésitez pas aussi à aller chez nos sponsors. Play in by Magic Bazaar, que je te laisse présenter. VL. Exactement, code VLPL 2022, bientôt 2023, sur leur boutique. Ça vous donne 50% de points de fidélité et ça nous soutient. Merci à tous. Par rapport aux abonnements, j'en profite, on est 29 400 quand on tourne. Bientôt du 30. Coup, plus que 600 personnes. Et il y a peut-être 600 personnes qui regarderont ces vidéos, qui ne sont pas abonnées. Si vous vous abonnez, ça régale, on passe les 30 000, c'est fou. Le petit abonnement de Noël. L'abonnement de Noël. Tu le vois maintenant, c'est l'abonnement du nouvel an. Est-ce qu'on peut faire 30 000 genre, avant là, 2023. T'as passé de très très bonnes fêtes. Mmh. T'es là, t'as été gâté, régalé. Et tu te dis, moi j'aimerais bien rendre l'appareil. Ouais. Comment je peux rendre l'appareil? Les gars que je suis depuis 2-3 mois, là, à qui j'ai jamais lâché plaisir. Un labo. Putain, je vais c'est cliquer maintenant. Sur la cloche, je vais les régaler. C'est la dernière vidéo de 2023. C'est la dernière vidéo de 2023. Donc, si jamais. Bon, la dernière vidéo tout court. En fait. Qu'on attaque 2023 si et 30 000 abonnés. Pas 30 000 le 1er janvier, on revient pas en fait. Faux. Tant qu'il n'y a pas 30 000, on arrête. On attend. Abonnez-vous. Voilà, ou pas, peut-être on ne fera pas ça. Merci aussi à Vogt, notre autre sponsor depuis tout récemment sur la chaîne. Voilà. Ouais, merci beaucoup Vogt, donc du coup, qui est une application d'enchères en live. On participe, nous, à faire 2 lives par mois, les mardis à 19h. Vous pouvez du coup suivre notre profil vendeur directement, qui est le lien est dans la description. Et vous pouvez aussi, donc du coup, télécharger l'application avec le code parrainage VALPL. À partir du moment où vous effectuez votre premier achat, avec ce code parrainage-là, vous nous soutenez. Merci énormément à Vogt de nous accompagner et merci à vous de télécharger et de tester cette application. Et bien sûr. De l'amour. On est parti ou quoi? On est parti, lance-moi une game vite là. Je veux rosser avec ce Let's go. T'as vu mes beaux basiques en fait? Mais oui, ils sont beaux tes basiques. Beau. Tiens. Et c'est pas les planètes. Hein. Vous avez vu mes basiques? C'est la surface. C'est vrai que c'est la surface, alors que t'aimes bien les planètes pourtant. Oui, mais de base, il met la surface et ça me fait chier. Mais c'est pas grave, ils sont quand même beaux. Ça va. Oh. Oh, je vais voir gauche. Jetmir. Jaguar God. Le dieu Jaguar. Ce qui correspond à Jetmir. Le dieu Jaguar aka Patrick Bruel. Dans le Jaguar. Ah putain, le Jaguar. Tu sais que j'ai vu ce film étant enfant. J'adorais ce film. Je regarde ça. Il y a un dragon. C'est vrai que tu l'adorais? Je savais pas qu'on pouvait adorer ce film. Je savais qu'on pouvait le connaître, le trouver au moins bien. Et j'adorais le principe de... genre, en fait, il se passe rien. Et d'un coup, en fait, il a un peu les yeux de Jaguar et il met des baffes qui griffent, tu vois. Et c'est en fait, comme t'attends tout le film pour qu'il se passe un peu ça, c'est rebouté, en fait. Y a un peu le truc de « Ah, c'est arrivé, tu vois. Okay. » Mais au final, maintenant, je sais, tu vois, c'est de la merde. Ah, ok. Voilà. Mais je ne l'ai pas revu, donc j'ai pas de... C'est un vieux film français. Je pourrais pas te dire que c'est de la merde, juste... l'impression qu'il a un peu... Il est tombé en désuétude. Je parle de ce film comme d'un objet. Bah oui, mais on peut. Hein. Il est désuet. Le Jaguar. Je pense qu'il y a plein de gens, quand si on dit... Si tu le mets dans... Putain, le Jaguar. Mais oui, c'est sûr. Avec PB. Mais oui, c'est Patrick Bruel. Si tu le mets dans un magnétoscope, la vidéo ne se lance pas, je pense. Genre, tu ne peux plus voir. Il est cassé. Il est juste cassé. Alors lui, il va nous cagner 3-4 dessus. Portées, c'est pas mal, mais heureusement, on a un truc qui met 4. Je disais en début de vidéo, de la dernière vidéo, donc le début de la dernière vidéo, parce que je sais pas parler français, que probablement Mono Vert n'était pas un archétype qui était soutenu, et lui, il va nous déchirer qu'un Mono Vert, c'est marrant. Et lui, ça me bat les couilles. Lui, ce que je raconte. Ah bah non, c'est pas Mono Vert. Bon. Je suis rassuré. Tu peux tuer ça, ça m'avance vers mes énormes drop 6 parce que je pioche que des landes. Voilà. Je vais quand même lui montrer que j'ai une vraie main à la base. Hein. Et je crois que je vais envoyer ça mourir. Comme ça, je peux jouer ça tour prochain. Ou je l'envoie à mourir tour d'après. Ouais, envoie-le plutôt mourir tour d'après. C'est un peu suspect, je pense. Je trouve. Je l'envoie mourir comme ça là. Je l'envoie mourir, je mets 3 points. Ouais. Oh, il a Field of the Dead? Non. Oula, synergique. C'est une Rico. Okay. Ou alors il a carrément le land de Titania. Franchement, tu peux te régaler avec un truc comme c'est ça. C'est vrai. Tu Golos, land de Titania. Enfin non, lui, il a Histoire de Benaya, rien à voir. Non, c'est Celestia mid. Ok. Il attaque pas. Hein. Ah, ben encore un land. T'as plus chaud de chose qu'un land Non. Ok. Je voulais être sûr. Vas-y. Hein. C'est pas du tout suspicieux. Qu'est-ce que vous croyez? Il donne son 1-2. Parfait. Hey, Doctor. Putain. Bon, bah, tirant lui la gueule, la Titania là. Non. Oh, un mana, protection? Non, il n'y a rien. Et ils sont marrants les gens. Il n'y a que dalle là. Bam! En vrai, t'as 3-1 juste pour qu'elle canne et ça. Ah bah attends, ça t'arrange comment? Je te donne celle qui a un effet utilitaire? Allez, cadeau. Oh, c'est grand. Hein. Ou alors il réanime?
Volet nu. Ça va. C'est dangereux le. Bon, le moins 3, c'est fort, mais le. Le plus 1 il peut être dangereux en draft. Encore un land, du coup. Encore un land, du coup je ne joue qu'avec ma main de départ actuellement. On va attaquer avec ton dragon de toute façon. Là-dedans. Ah non, c'est plus 1 plus 0. Ah oui, donc c'est pourri en fait. Bah je trade, mais c'est pas fou, ouais. Après je peux trade et jouer ça. Hein. Ouais, fais-le. Enfin, si je trade, je peux pas jouer ça dans le tour. Non, je joue ça. Mais non, mais si tu trades pas, tu gères plus jamais son token, il va lander le tour d'après, il est 6-6, c'est finito. Bah moi, tant que j'ai du mana rouge, je peux le trade, mais bon. Bon, ok, je joue machine. Ah, machine. Ah, ça t'a convaincu là. Ouais. Je t'ai dit t'es KT, tu as dit ah j'avoue, ah, je mets KT. J'avoue, je mets KT. Les chevaliers que vous contrôlez gagnent plus de plus 1. Il a 3 actifs dans la main, toi t'as 3 landes. Des fois Magic c'est facile. Il a 4 actifs dans la main et 2 landes. Et il va lander un autre land. Ah j'aurais recyclé moi. Ah non, peut-être il a besoin du bleu. Ouais, maybe. Bien joué. Heureusement en Ragdos on gère très bien les enchantes. C'est une blague. Ah franchement c'est... Oh, c'est une blague. Tu sens voix. C'est officiel. Je serai pas là en janvier. Je vous le dis. Ok. Je pars sur Pokémon à plus. Et tu fais bien. Comment il n'y a pas de full à Pokémon. C'est vrai. En même temps pour zéro tu te reset à Pokémon. Donc finalement c'est normal. Allez une petite plane. On peut même pas tuer son Vren 6 parce qu'il a 3. Putain de merde. Ah, est-ce que je lui enlève 2 pour qu'il fasse pas encore un Sylvain. Ouais, je crois, ouais. Pas sympa, les Sylvains. Non. Pas cool. Et là, on va pêcher la prêtresse. Tu le sais. Bah oui, je le sais. Il y a du gros stuff, lui. Hein. Oh putain. Ah oui, c'est big, big. Hein. Oh putain. Ouais, j'avoue que c'est big un chat qu'on va pas gagner avec notre deck midrange. Oh, il lui a enlevé un truc, il a buté son Arpenter. Pourquoi il a fait ça? Ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 11 sur... Il reste 6 landes sur 25 cartes. Bon. Allez, attends, non, mais je joue plus. Mais mec, je monte toute ma mana base. Ah oui, ah, regarde comme ils sont. Ah, j'en ai plein des landes. J'ai posé, j'ai... Bon, lui, par contre, on sait que déjà structurellement, il est bien placé contre nous. Il joue des pâtés, de la rampe, c'est bien contre les decks midrange, quoi. Je lui donne. Oui, on en est. Oui, il est bien, mais surtout que des landes, quoi. Littéralement, ma main de départ, c'était. Non, mais tu verras que même si on pioche pas que des landes, ça va pas très bien se passer. Enfin, lui montre pas. Ça, c'est surprise du chef, comme on l'appelle. J'aurais pu relander. Il s'est dit, putain, il a landé à tous les tours. Ah, bah oui. Ah, oui, oui, t'inquiète, je pouvais lander encore 4 fois, là. Du coup, comment on fait pour être plus big que lui, étoile de l'extinction? Oh. Avec nos jokes. Bah oui, oui, oui. Je joke pas du tout. Mais je joke pas. Hein. J'entrerai bien ça. Et en vrai... On trouve bien ça en vrai. Ça va être dur. Qu'est-ce qu'on enlève? Y'a pas des trucs nuls? Enfin si, y en a plein, mais... Genre Krenko, c'est nul, ça va jamais attaquer dans son board. Ok. Bon, voilà. Ouais, je me demandais si Frénésie ou Feu de l'Invention, c'était pas un moyen de... Oh, Frénésie, c'est une carte morte pendant longtemps, quand même. D'éclater ce qu'il faisait. Ouais, mais tu vois, si jamais on arrive à stabiliser aller en late game, je me demandais... Si on peut jusqu'à des landes, tu veux dire? Pour mettre casser les cartes du dessus. Feu de l'invention aussi, c'est pas marrant de faire genre LOL annonciateur de gloire. Ah ouais, mais il faut feu de l'invention dans LOL annonciateur de gloire, quoi. Je pense que si tu les as en main, c'est déjà bien. Mais vas-y, c'est bon. Mais en vrai... Oh la face face loose là qui nous a mis. Je pense que c'était pas déconnant le petit fire, tu vois. T'as aimé mon keep 5 land into 7 land. J'ai trouvé ça grandiose en vrai, il faut être capable de le faire, quoi. Putain, tu la sens là à l'inverse. Mais pourquoi est-ce qu'on a que le late game là? Bah, tu peux pas garder ça. Bah, je recycle un truc. Ah oui, tu peux. C'est ok, mais. Ouais. Faudra bien recycler. Putain, oui. C'est quoi que tu vas recycler d'ailleurs? Machine? Ce qui coûte cher, ouais, machine, je pense. Putain, t'as plus... Bah, c'est ça que tu vas recycler. Ouais, ça c'est nul. Très bien. Eh bien, c'est bien. Il lande. Oh, c'est une trésor. Parfait. Oh, yes. Franchement, je crois que tu blitz ton réquisitionneur. Donc, ah ouais? Ouais. Bah, comme ça, tu fais direct le token. Pas que tu fais direct le trésor, quoi. Ouais, bon, c'est. Ouais, remarque, ça me fait drôle aussi de le blitzer, t'as raison. Moi, j'aime bien. Hein. Franchement, je le blitz tous les jours. Vu que je pioche avec le blitz, ouais. C'est. Ah, t'en piochais pas, peut-être que c'était moins bien. Ouais. 4 points.
Et t'as un peu de feng. Les ordres. Ah, let's go. Ça monte. Pose un truc, je t'annonce la gloire. Il me joue ça 3-4 là. Bam. On va lui annoncer. J'annonce quand même, hein, je crois. Ah, je sais pas. Je crois que Kyodai suffit ici. Ok, donc fin de tour. Ouais, parce que si jamais là tu crames ton truc avec annonciateur, genre tu l'as cramé sur une mauvaise 2-2 et derrière si tu trouves pas le cinquième mana, tu joues plus rien quoi. C'est vrai. Puis là on est dans l'optique de. Il joue des trucs, on pète tout quoi. Oh, je pète tout. Ça pète tout à tout le monde ou juste à lui? Ah, tout le monde. 20 blessures à chaque capture, chaque Winsbook. Ok. C'est marrant. Je bloque, je fais Kyodai? Moi, je pense. Tu peux même trade si tu veux. Waouh, trade son 3-3, c'est pas fou. Ok. Là, je peux Kyodai. Désolé, j'ai éternué, du coup, je renifle maintenant. Il y a un mouche en juste devant toi, tu vois. Ah, super. Une espèce de suite logique à tout ça. J'avais prévu. Oh, le recouvreur de toi. Hop, je me cache. Vas-y, cache-toi. Là, j'aurais bien le Glory Bring. Par contre, pour beatdown. Bah ouais, mais bon, ça fait chier parce que du coup, tu mets tellement loin tes autres drops, quoi. Bah ouais, en même temps, de toute façon, même quand je vais piocher des landes, mes autres drops. Après, tu le tues en deux tours, donc. Je surmène. Tu surmènes? Ouais. Ou tu tues en deux tours? Pourquoi je peux pas choisir les attaquants? Quoi? Bon, tu veux pas attaquer avec toi en plus, hein? Je peux pas, attends. Je clique pour voir. Ouais. Ah, ok, t'as un bug serveur. J'étais en mode. Je suis content que ce soit un bug de serveur parce que là j'ai eu un bug de cerveau. Ah ouais, du coup. Je comprenais pas. Ah, quitte. Hein. Ah ouais, je vais planter. S'il vous plaît, cette game est déjà assez compliquée. Est-ce qu'on pourrait retourner dans une game sans avoir pas fait On n'a pas beaucoup de sabliers en plus. Heureusement que ça bug vite. La collection. C'est fou, chaque fois qu'on tourne une vidéo, ils ouf. Bon bah là on n'a pas attaqué au moins. J'espère que ça nous a validé au moins la pause des créatures. Oui ça je pense parce que ça a bugué quand ton Glorybringer est en phase d'attaque mais... Le TGN ne se lance pas. Si c'est bon. Je crois que si on n'a pas attaqué tu gagneras pas quoi. Allez le jeu s'il te plaît. Quand ça vous arrive faites des tickets au support hein, pour rembourser votre entrée. Hein. Important. Nous, c'est pas grave, tant pis, on va perdre celle-là, on fera un ticket, hein, mais ça nous enlève potentiellement le 3-0, c'est assez relou, parce qu'on va pas retourner la vidéo, pour le coup. Eh ouais, non. Eh non. Eh non. En ce moment, le jeu pue la merde. Récurrent, quand même. Hein. Je mâche pas mes mots, pue la grosse merde. Ne les mâche pas, ouais. Ça arrive trop souvent. Allez, c'est bon. Arrête de bugger. En fait, j'ai l'impression que tant que ça nous fait pas perdre un tour, il continue à bugger. Ah, d'ailleurs, ça n'a pas de capture. Voilà, c'est bon. Et ouais, j'ai pas attaqué du coup. Très content. Ouais. Ça se joue à ça en plus parce que du coup, on avait le kill en deux tours, mais c'est mort maintenant. Parce que je pioche un land s'il est pas noir. Bah du coup je peux pas jouer ça, c'est pas rien, jeu de ma main. Faut que je pioche un actif ou un land noir. Non mais il va gérer une bête et tout, c'est foutu quoi. Genre là on aurait tué un token, enfin... C'est trop le seum quoi. Oh oui, il recycle, cher. Bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Bon il en chie, heureusement. Nous on en a chié avec le jeu. Salut c'est Jean. C'est Jean chie. Bon c'est un actif. Et du coup on lui fait le kill en deux tours ou tu veux lui péter une bête? Non, je t'entends deux tours, je pense. Il avait rien le tour d'avant. Vas-y. Hein. Allons-y, Alonso. Là, on aurait gagné. Bah ouais. Là, mais ne me dis pas ça, ça me brise, quoi. Ça me brise. Tu es brisé, c'est normal. Il faut quoi pour qu'il soit gros, lui? Au moins 3-4 de terrain dans votre cimetière, ok. Ouais, oh, il est 3-4, ouais, c'est pas... Ouais, on va pas mourir de ça, quoi. Pour notre défense, il a probablement pas un deck très interactif au vu de ce qu'il propose, une espèce de Celestia Ramp comme ça, et je vois pas trop quels sont les anti-bêtes qu'il peut avoir. Et ça, ça ne suffit pas, normalement. Excellent. Ah si, il va donner Lifelink. Il va donner Lifelink, ouais. Ah, donc ça suffit.
Je vais juste bloquer, Tu pas peux prendre pas 3 points. double bloc même pour le remove? Magda, ça me permet de débloquer mes gros drops. Si je pioche un land, quoi. D'accord, C'est pas mal d'attaquer avec. ok. Surtout qu'il n'y a pas de bon. Enfin, il a un bon bloc là, quoi. Là, tu vas être obligé de surmener par contre. Ouais. Ok, un trésor pour une 2-1, ça me va. Deux blessures à chaque créature et à chaque adversaire, donc ça ne tue pas Il ça. faut d'abord que tu Ça attaques avec. tue tout ça. Ah, c'est à chaque créature de la. Ah oui, mais non, Et à ça tue chaque ton adversaire. épicurien par contre. Non, il est indestructible. Ah. Ouh, mais je vais Il attaquer. faut que tu attaques quand même d'abord avec Magda et. Je vais attaquer avec ça. Je vais surmener. J'attaque avec Magda parce qu'elle va mourir. Ouais, bien sûr. Je vais mettre 4 points à la Séraphine. Et juste la guerre, comme ça au moins t'es sûr le tour d'après de pouvoir activer tes. Ou alors en vrai on s'en fout. Non, quoi qu'on Sinon, s'en je peux fout. faire juste un 4-4. Hein. Ah, mais non, à chaque adversaire. Ah bah t'as Ah, gagné. bah, on a gagné. Putain, on est con nous, hein. J'ai oublié chaque adversaire. Mais moi Après, aussi. c'est parce qu'il Mais. bloque pas Magda. Hein. Oui, c'est vrai. Moi aussi j'ai oublié. S'il bloquait Magda, il mourrait pas. Mais du coup, est-ce qu'on n'aurait pas juste tyran en fait? Ah non, tu pouvais pas, c'est 5 mana. Ouais, non, je pouvais pas. Bon, ça va. Never punish. Cette déconnexion. Ouais, il adversaire un peu mouliné dans rien. Je garderai comme ça. Hein. Ouais, moi aussi. Espérons ne pas être déco. Ouais. Oula, mais même Mobé, ça buguait, ce qu'il m'a fait. J'ai pas Ouais, capté. j'avoue. Et pas avoir trop de. J'ai l'impression qu'on a tout le late game en main. Alors, j'avoue que notre deck, il est pas forcément best curve ever. Best curve ever, mais quand même, quoi. Des drops early rouge. Ça va pas être jouable. Chômage. C'est mieux. Bien. Bien, bien. On va enlever quoi? Putain, on a une curve. J'enlèverai un mana rouge. Ouais, je pense. On a quand même 17 landes, on a respecté le jeu. Parce que le jeu peut nous respecter. C'est bon. Voilà! Excellent. C'est bon, c'est bon. Hop, si tu pioches pas des landes, du coup tu pioches aussi des cartes à jouer, in fine. Donc, Ouais. de toute façon, comme tu ne pioches que des landes sur ce jeu, de toute façon, au Bah là, moins. le cinquième, ça me va. C'est maintenant, il faut plus en piocher. Ouais. T'as pioché 3 landes d'affilée là? Est-ce que t'as fait aussi en game 1? Non, game 1, t'en as pioché On a. 7, dont une carte active. Donc 6. Non, j'ai pioché 7 landes, plus une carte active. Ouais, c'est ça. Ok. Je crois qu'on a fini à 12 landes et que j'en avais 5 dans la main de Non, départ. mais je voulais juste. Oh, bah très content. Très très content, 4 parce que ça d'affilée. passe pas sur ça. Je tiens les comptes, c'est parti. 4 d'affilée. Tu peux battre le record? On était à. Ah, je vais essayer. Là d'ailleurs, je vais pas faire d'araignée, hein. Je vais faire une T'es juste pioche. draw en fait. Enfin, je vais piocher un land, quoi, pour 0. Ça va. Ça fait quoi cet ancêtre là? Quand il lance un sort de créature, soit il casse artefact enchantement, soit il regarde 5, il peut prendre un terrain ou une. Il peut mettre un terrain, pardon, et le Ouais. mettre en jeu engagé, soit il gagne 4 PV. C'est LOL, t'es double 2-1, je crois. Oui. Bah. C'est vrai qu'il prend son marqueur, lui. J'avais oublié. Il prend son marqueur, lui. Tranquillou. Il arrive, il prend son petit marqueur. Ouais. Je me demandais s'il avait piétinement l'ancêtre, mais non, visiblement, c'est pas le cas. Non, non. Oh, il fait déjà plein de trucs. Hein. Ouais. C'est vrai. Après, tout ce qu'il fait, globalement, on s'en fout un peu, là. Je laisse passer. Ah bah non. Ah non, on va la gagner, celle-là. Hein. Ah, celle-là, on va Maintenant. essayer. Parce que le jeu, déjà, il nous aide pas à la gagner. Ah, est-ce que je mettais un marqueur si je la sacrifiais? Non, je crois pas que tu mets le marqueur, c'est quand t'attaques. Très bien, t'as quoi. Mais tu pouvais le rendre. C'est que Prédateur, j'oublie tout le temps ce qu'il fait. Ouh, ça c'est énorme. Ça, c'est très gros. Ouais. Gain 4 PV, ok. Il Y a a un truc peur. qui remove ça pour le coup. On a touché dans le royaume. Ouais. Eh, faut que tu touches vite, hein. C'est Pioche pas le bon. cas. Chaque créature et à chaque adversaire. Donc on peut enlever son dernier truc. Et Tuer attaquer avec ça. Prédateur pour Attaquer proposer avec le trade. Prédateur. Mais du coup on n'aura plus notre araignée. Ah, et donc du coup, derrière, il faudra qu'on champ avec le sinistre, c'est ça? Ah oui, mais non, mais oui, il peut juste ne Non, pas c'est ça, il bloquer. va attaquer. Ouais, je crois qu'il faut qu'on défende l'ult en fait, juste. Ouais. Je crois qu'on veut faire Land rouge. Tu peux land rouge et tout jouer. Ça, peut-être qu'on veut faire. On va faire quoi? Défausser. Non. Je crois que tu veux te défausser de n'importe quel nombre de On se cartes. défausse directement. Ouais. Et t'enlèves toute la merde qu'on a là. Hein. Deuxième effet. Tout. Il faut. Attends, si tu veux protéger l'ult, il faut garder un drop injuste. Donc garde seulement l'épicurien. Ok, donc je défausse ça. Ouais.
Oh, prêtre, c'est pas mal, on n'a pas le mana encore, mais. Et on pourra recycler du coup notre plaine. Ouais. Pas d'attaque. Non, il normalement, a tu peux tout chumper, hein, normalement. Bah là, j'ai un chump, ou alors j'ai block chump. Sacrifice. Sacrifice. Ouais, on va voir. C'est vrai que si. Il détruit quoi? Il détruit ça, du coup. Ah, c'est chiant. Ah, ok. C'est une fois par tour ou à chaque fois? À chaque fois. C'est giga pété. C'est assez fort. Après, si on lui donne pas de cible, c'est un petit peu moins fort, quoi. Deux jetons, il met deux marqueurs sur toutes ses bêtes. Waouh. Lui, il est mono gros spell. Ouais, monoport. Et du coup, comme il y a plein de tokens, ça, c'est de la merde. Ouais. Sent pas très très bon, cette gamin. Oh, les deux marqueurs. Même la Extinction, bah, il a un marqueur shield qu'on doit enlever, du coup. Mais qu'on enlève mal. Ou il nous attaque face et on a plus rien à foutre de l'ult. En même temps, on prendrait 14 là. Je crois que je vais bloquer quand même avec une petite araignée. Hein. Ouais, ouais. On va lui enlever son marqueur shield. Et c'est tout. Et c'est tout. Ouais. J'ai accepté 37. En vrai, je trouve Extinction, c'est GG. Hein. On est pas mal. Et t'as le droit à deux draws ici. Trois draws même. Ah non, c'était plutôt prêtresse qu'il fallait enlever. Ah, tu penses? Si t'as pas le land. Ah merde, oui, effectivement. Si t'as pas le land, ça marche pas. Bon, okay. J'avais rien. Là, t'as pas. Non, mais t'as une draw de plus. Bah, soit je draw, mais du coup, je peux pas le caster. Soit je fais deux derniers. Ah oui, ok, ouais. Je peux sacrifier. Ah, ah non, ça l'engage, merde. Ah non, je peux blitz, c'est ça. Ça fait quoi? Je blitz ça, ça veut dire qu'il va mourir ce tour-ci, et du coup, je pourrais faire deux derniers sans qu'elle meure. Mmh. Ça peut être pas mal. Enfin, blitzer, si jamais il le bloque pas, ça va pas mourir avant que tu puisses faire deux araignées. Si, si, mais dans tous les cas, ça va mourir. Mais ça meurt fin de tour. Mmh. Du coup, tu. Ah oui, s'il le bloque pas, ah, tu vois ce que je veux dire? C'est chaque fois qu'une mes créatures. Hein. Ouais. Ouais. Essaye, hein, de toute façon, on en est là, on n'en fera pas mieux, donc. On va voir ce qu'il en fait. On va bourrer avec le 3-1. Et voir s'il propose un. Ouais, il prend 3. Il est malin. Hein. Je peux tuer son 3-4 ou une 4-4. Ouais, je pense qu'il va falloir le faire, je pense. Et en couvreur, vrai, ça va grossir. Et je crois qu'il faut que tu sacrifies ton 1-1 avec ton prédateur. Pour pouvoir faire une araignée. Regardez l'ult. Ouais. Je tue ça. Non, je vais sacrifier lui. Tu vas mourir dans tous les cas. Mais du coup, en fait, genre, tu protèges même pas l'ult en fait. Hein. Tu protèges que tes PV là. Ouais. Et vu qu'il attaque pas l'ult. Ouais. Trésor. Tac. Magda. Exile ça. Marqueur. Deux araignées. Ouais. Ah, et si tu joues ta prêtresse là, il se passe quoi? Je peux pas m'en servir, mais elle sera là quoi. Il nous manquera un mana par contre. Alors que si tu joues la Magda. En fait, notre plan maintenant, c'est extinction. C'est extinction, ouais. Je crois que je joue Magda. Parce que dans tous les cas, je pourrais faire le trésor. Ok, vas-y. Parce qu'en vrai, extinction, je sais pas s'il a un gros souffle, lui, derrière le type. Bah, il a 4 cartes en main, mais bon. Il a le droit de plus avoir grand-chose. En fait, l'ancêtre, c'est ça qui est chiant, parce que... Ouais, genre, il a joué quand même ses cartes les plus puissantes, non? Il reste Vraine, qui peut faire deux fois un port. Ouais. Bon, après, je pense que structurellement... Mon deck est quand même plutôt bien contre le nôtre. Hein. Oui. Genre nous on n'a pas un deck qui est rapide, lui derrière il fait wow, full value. Il sort pas bien les coups de. Ah ça y est, il attaque l'ult. Je peux protéger, elle va remonter très haut en loyauté, mais bon. Ouais, c'est ce qu'il faut, hein, parce qu'il faut que tu puisses piocher pour avoir événement d'extinction. Mm. Donc faisons-le. Donc une 2-1 sur la 7-9, tu prends 6. Ah non, je peux pas la protéger du coup. Faut que je bloque tout ça et du coup je meurs. Donc non, en fait, Nod va mourir. Parce qu'elle prendrait ses marqueurs après. Et ça piétine les 4-4? Non, mais j'ai 4 bloqueurs pour 4 attaquants sur l'autre. Ah oui, ok, il a un attaquant de trop. Donc ça là-dessus. Ça là-dessus. Pas trop mourir. Ouais, et puis trade des trucs. Ah non, tu laisses tout le reste sur l'ult. Ouais. Ok. Ça, c'est, ça bloque ça. Ça marche. Juste une PL. Et Star of Extinction maintenant. Allez, une chance sur 22.
C'est pas beaucoup dit comme ça. Non. Ça va pas suffire. C'est un anti-bête. Ouais, mais c'est pas... C'est déjà ça, hein. J'ai que ça va faire, de toute façon. Ouais, mais ça suffira pas, je crois. Genre là, tu vas annoncer l'acteur de gloire, tu vas tuer une 4-4 derrière sur le... Enfin, il te bourre quand même, quoi. Ouais. Romaine. Let's go. Attends, en attaquant avec ça, je mets 4, je mets 10. Ah, après, il suffit de garder des blocs. Parce que du coup, je jump, il peut pas attaquer avec ça. Je prends 1, 2, 3, ouais, mais, ouais, 4. C'est... Après, ça veut dire que 8. Lui, il t'attaque pas, c'est ça que tu veux dire? Tu vas essayer d'entamer une course? Je crois que c'est la meilleure option, là. Ok. Mettre 4 points à ça. Enlever ça. Après, il a tellement de cartes en main, genre... Ah, ok. Ouais, tu peux partir. Ouais, c'est trop fort, ça. Ouais. C'est trop fort, et ces 3 mana verts, c'est pas facile forcément à caster. Après, il n'y a que bicolore, donc ouais, je quitte. Hein. Ouais, ouais. Il y a plus de... Enfin, tu reviendras jamais de cette situation-là, je pense. Ciao. Bien joué, Jaguar God. Ouais, bah là, je crois qu'il me tuait, du coup. Il nous tuait. Ouais. On bloquait ça. Et même s'il nous tuait pas... Ouais, ouais. C'est-à-dire que même Star of Extinction nous remet pas devant parce qu'on est au top deck, il a 4 cartes en main. Ouais. Ah, il a fait trop de value avec ce singe. Ouais. On a pas... Comme on n'a pas de gestion clean, bah, forcément, c'est pas évident. Bah, on en a une, mais on la pioche pas, et on a une Vraz qu'on pioche pas non plus, donc... Donc je suis des langues par contre. Non mais je suis pas. Après cela dit, attention, je suis pas du tout étonné de perdre contre son deck. Autant c'était normal qu'on gagne contre mono blanc, autant c'est normal qu'on perde contre celui-là. Quand le jeu crash pendant une game, il faut relancer le jeu après. Il crash forcément à la fin de la game. J'ai vu ça aussi. Ouais. Belle vidéo pour finir l'année, hein, sur tous ces bugs. Bien ce jeu. Après en même temps, ils sont en vacances ceux qui font le jeu. Ah bah oui. Fête de Noël, ils ont droit aussi de se poser. Hein. Normal. Ah, j'avoue. Juste du coup fermer le jeu, quoi. Ouais, dites, pendant 2 semaines, rideau, parce que... Battle Royale. Il y a un problème, démerdez-vous. Il n'y a plus rien. Non, par contre, quand ça vous arrive, cela dit, alors évidemment, c'est super chiant et c'est de la faute du jeu et c'est pas normal et tout. Par contre, faites un ticket au support, ils vous remboursent. Ah ouais, c'est sans souci, quoi. Pour l'expérience, c'est relou, mais vous perdez pas vos sous quand ça arrive. Voilà. Généralement, ils vous remboursent directement. Après le Jaguar God, le Magic God. Le Magic God, bah, c'est le stade évolué, donc ça va pas être facile. Hein. Joue en premier. Et très bien ça, putain, ça c'est ce qu'on veut faire tout le temps. C'est Kipos. Kipos Lata. Ah, je peux pas faire tour 1, tour 2. Pas non plus trop en demander en tricolore quand même. Je pense. Oui, ça te permettra de recycler un truc en plus. Genre probablement ta prêtresse d'ailleurs, dont on s'en balèque et qui s'exhumera plus tard. Oui. C'est cet épicurien qui rigole comme ça, ça m'énerve. Non, c'est lui. Ah, et ça m'énerve aussi. Oh. T'es bon, toi. Hein. Bon, ça. Hein. Ouais. J'attaque, du coup. Oui. S'il prend le trade, je suis content. Comme Gaëtan. Il prend le trade alors qu'il a une bête frappée d'amour. Donc, je suis très, très content. Ça veut dire que c'est pas très bon signe. Ou alors, il joue pas très bien, quoi. Mais. Erreur ou d'autres tours 1. Ouais. En mono-green. Mono-gurinu. Oh, putain, mais ça le portotype. Ça fait chier, c'est pas ce qu'on veut affronter, quoi. Mono-green, merde. Pas diable, t'es battu quoi. Diable, c'est sûr. Si j'attaque, je peux tuer ça en sacrifiant ton trésor. Si c'est trop chiant, mon trésor, ouais. Non, je fais pas, je pense pas d'attaque. Sachant que ça t'accélère vers rien, ça m'accélère vers rien. Ouais. Donc, ça t'accélère vers un truc, peut-être, mais oh, manque un truc là. Ah bah, faire une petite cruauté, nous. Hein. Là, tu vas attaquer, oui. Là, je vais attaquer pour cruauté, ouais. Là, il n'y a pas de... Je vais attaquer avec les deux, d'ailleurs, non? Oui. Il n'y a pas de galère, ouais. Me semble. Parfait. Enfant, et je vais pouvoir finir ça. Rouge. Et petite cruauté niveau 1, je pense qu'on est là pour grinder. Hein. Oh, ouais. Hop, sacrifier le trésor. Je souhaite pinguer ici. Pourquoi tu joues ça, putain? Je sais pas, mais d'habitude j'entends pas trop, c'est... Oh, tu vas Je vais enlever son œil, je crois. Ouais. Alors, il a l'air d'avoir un beau paquet de chi, quand même. Navire, chariot... C'est paquet en italien, c'est pas du tout une insulte. Le paquet de chi.
LOL. Ah non, Putain, tu peux pas caster tu LOL. peux pas trouver plus de pierres Ça aurait été fou. Putain, les meilleures cartes, je peux pas les caster. Sholdred. Je peux pas. Pourquoi? J'ai qu'un mal alors. Ah merde. Ah Et merde. sinon, je prenais LOL. Bah, je crois que je prends Annonciateur et je bourre. Ouais, c'est meilleur. Ouais, ok. Bah. Zooks. Du coup, le surmène pas parce que. Parce que ça sert à rien. C'est pas ouf. C'est bien, on lui montre peu de cartes, c'est juste on Par le contre, rosse. il a Sky Sovereign, qui est genre la meilleure carte du cube, quoi. Faudra faire attention à Ah ça dans ouais? la game 2. Ouais, c'est le first pick, first pack. Il Putain. n'y a rien que tu piques au-dessus Solide, hein. de Ça c'est passe. solide aussi, hein. Ouais, mais justement, j'ai eu en parler, il disait qu'il préférait Oh, Sky c'est un Sovereign ETB, à ouais. Machine Given. Hein. Pense que ça doit se valoir, hein, mais. Et il disait que la meilleure carte colorée, c'était Yawgmoth, et j'avoue que je ne l'ai jamais vue. Ouais, Et bah ouais, c'est non. pas étonnant que ce soit. Genre, tu peux jouer C'est ça pour tout, fort. quoi. C'est très fort. Ça marche pas sur les dragons. Apparemment, on devrait pas Tu avoir connais, de. hein. Ouais. Ah, tu connais bien, toi. Et tu es le diable. Et le diablo. Ça fait un peu On va chier, le du coup, de lui réanimer. avoir donné Glorybringer en même temps, du coup. Maintenant que j'y pense. Bon, c'est gain, là, non? Ça devrait aller, mais. Je réanime ça. 5-5 pour 5. Et si tu réanimes un œil du pèlerin, tu peux faire ta machine qui va étreinte. C'est vrai. C'est bien. Ça me semble mieux. Allez. Allez, on y va. Alors oui, effectivement, c'est pas une réanimation qui fait bander, hein. Pas se mentir. Oh, je sacrifie. Ben, je le ping et je vais gagner, je crois. Ouais. Ouais. Ah bah du coup, pas de En machine qui fait, rentre, du du coup, coup. pas de machine à être. Ah, tu voulais pas le double noir. Ouais, Ouais, on parce que remporte c'est le. gain. C'est le gain. C'est le gang-gang. Putain, si jamais Glorybringer ça pouvait surmener sur un dragon, genre ça nous aurait vraiment fait chier, je pense. Bah, on avait gagné quand même. Oui, mais si tu pioches pas le réquisitionneur derrière. Bah, on réanime Dragon avec Cruauté de Geeks et on lui met 7. C'est-à-dire. Mais dragon, il est censé être. Ah oui, puisqu'il l'aurait su... il l'aurait surmené pour le Il tuer. aurait tué, ouais. Non, je pense que là, avec Cruauté et Dragon, Oui, ça va. c'était gain, quoi. Ça va, ça va. Mais faut se rappeler qu'il peut copier, ouais. Par contre. Il joue un archétype pareil qui est très rampiche, qui est très late game, qui va probablement nous overpower si on arrive loin. Par contre, je crois pas qu'il mette de board, donc je suis pas sûr qu'Étoile d'Extinction soit très bien. Bah, ça pète un terrain. Ouais, mais j'y crois pas trop quoi. Non, je crois que je resterai comme ça. Ouais, si on veut décider de passer en dessous, on pourrait rajouter un drop 2, là, un pyromancien via Chino, mais Ouais. à la place genre d'un Kyodai, vu qu'il a pas l'air d'avoir d'interaction, mais bon. Après, Kyodai, c'est fort. Hein. Ça te fait un permanent indestructible, hein. Ça bloque tout. Ouais. Non, je garderai Ouais, juste comme vas-y, ça, moi. vas-y. Toujours dommage de pas s'aider quand on a des possibilités. Je pense même que, genre, c'est un peu le même cas que la game d'avant. Hein. Genre, notre opponent late game, il va être plus fort que nous. Il y a une carte qui bat le late game de manière écrasante, c'est Frénésie. Hein. Ouais, mais genre, c'est une carte qui nous colle à la main pendant 100 ans, quoi. Je garde. Oui, je pense. Bah, Krenko, il peut briller, là. Et lui Ouais, qui ronfle. si il est mollasse, ouais, après il. Voilà, il Je avait quoi. un autour 1, quoi. C'est bon, moi. Très C'est bon, pas là. mal. Après, là, il est 1 pour bloquer maintenant. Oui. Donc, bon, quelque part. Le Golgari, du coup. Ou c'est un splash. Splash. Pas des beaux basiques, hein. Ça c'est Non. rédhibitoire. Ah, il perd du winrate, Magic God. Il va trouver ses Guide larmes. roi. De Il a belles payé machines au des là, il a cimetière. plein de bonnes cartes dans son deck, hein, lui. Puis pour l'exhumer, celle-là, normalement, c'est pas de suite, hein. Ok. Ouais, c'est bien trouvé, ben Magda. Hein. Magda ou ça, hein, si jamais je veux m'accélérer dans un truc, mais bon. Bon, je préfère Magda. Ton truc de sûr, quoi, en attaquant, alors que Oh, l'autre, je peux même peut-être pas. lander, attaquer, il bloque, je fais Kyodai sur Magda. Là, c'est cool. Et du coup, tous les tours, je vais pouvoir faire mes petits Ça revient trésors. un peu au même play qu'avec les Restoration d'Angel quand Ouais. t'attaquais avec ton Gaze, quoi. C'est mal. Ouais. Sympa! Ouais, c'est bien. Oh, Je c'est pense que sympa! t'as vraiment ton meilleur play le tour après, quoi. Oh, bah, je bloque maintenant, sinon. Comme ça, mon doublé, je le fous en l'air. Comme Hein. ça, dans le cul, le blé. Bête frappée d'amour. Excellent. C'est génial. Après, c'est vrai que faire Kyodai là-dessus, c'est bien fort. Hein. Ouais. Parce que tous les tours, je vais lui chier Mais non, des fais tokens. juste un Hein. toucher du royaume et bourre. Tu touches le royaume Ah oui, 5-5 bien. là et bourre-le. Bien, 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 bien. On va juste pas s'emmerder quoi. Ça en blanc, tiens. Pas prendre de deg.
Ouais, mais t'as pas le double rouge et franchement, c'est coûteux dans notre deck. Ah merde, putain, je faisais gaffe au double noir et cette fois-ci, tu vois. Après, j'ai les trésors. En fait, c'est le blanc qu'on veut pas doubler. Ouais, après, t'as les trésors. Mais... Non. Non, pas pour l'instant. Non. Non. Non, 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 non. Non, monsieur, non. Et avec, comme tout à l'heure, on fait double noir. La gorge pleine tout le temps. Non. Il a la gorge pleine. Tout le temps. Oh. Oh, mais il a la combo, celui-ci. Et je te dis, ils l'ont tous. J'ai dit, c'est pas de suite, mais peut-être. Ils l'ont tous, les types. Bon, comment on fait, nous? Dommage, hein. Tu vas pouvoir Kyodai du coup, en attaquant avec Magda, t'avancer vers tes play late game. Oh, c'est dommage de pas Kyodai là-dessus. Hein. Ah ouais, mais là le tour d'après, s'il a un mana rouge, on a perdu donc. Oh putain, ouais. Bah, de toute façon, que je fasse Kyodai ou ça, c'est pareil, non? On a perdu pareil, non? Ouais, c'est juste que si jamais tu fais Kyodai, ça te permet de. J'anime ça, j'attaque et j'enlève. Ah putain, bah oui, bah oui. Bien joué, hein. Bah oui, bien sûr. C'est bien joué, c'est bien joué. Bien sûr. C'est ce qu'il faut. Ah, ma clean. La cabesse. Et j'attaque pas avec ça, par contre, je crois. Eh non. Eh non. Hop. Et là, il a son mana rouge, il se dit, merde, j'allais le faire. Mais non, on fait pas, Magic God. Tu le feras plus tard. Puni. Bon, par contre, on prend une vraie Soso. 3, 4, 5, 6, 7, 8 points, là. Je vais donner Magda, je crois. Ah ouais? La plus belle? Ouais, ouais, peut-être. Je sais pas, hein. Non, même pas, parce que si tu trouves un drop 6, au moins tu stabilises, donc non, même pas, je pense. Ok. Je pense que tu... Allez, vas-y. Il a peut-être pas son mana noir, en tout cas, son mana rouge, il l'a pas montré. Joue ta game, Magic God. Goid. Yoyoy. Yoid. Putain, faudra bloquer ça. Que des pâtés, le type. Il a que des pâtés et nous on trouve que notre early game de merde. On réanime mon cul. On n'arrive pas à avoir une espèce de montée en puissance avec un peu d'early game au début, un peu de late game. C'est le building curve. On a tout l'early game ou tout le late game. Et ce qui fait que du coup, bah, on n'a pas un bon deck quand ça fait ça. Je vais faire land engagé, double bête. Hein, et on va passer à 1. Et tu vas tout champ. Non mais même pas. Si tu fais land engagé, double bête, t'es mort. Et attaquer avec 4, t'as 3 bloquants et... Ah ouais, merde. Ouais, quitte. Bah, on passe à 2. Ma bande à 3 du coup. Ouais, ouais. On peut pas piocher une carte. Non, ouais. Bien joué. Bah, on a rien fait. Mais non, on a rien fait, quoi. Après Mishra, c'est vrai que c'est écrasant. Mais... Non, c'est bah, il nous tue au board. Hein. Ouais, mais c'est un concours de circonstances, quoi. Ah, par contre, ça, c'est peut-être pas mal. À place de quoi? Parce que tu pas Mishra. C'était bien contre lui. Hein. Non, non, vas-y, reste comme ça. On va curver. Restons comme ça. On va curver. Ok, la princesse de Krug. Ah, c'est pour ça qu'il est prince de Krug, Urza. Parce qu'il l'a épousé, la princesse de Krug. Ah, d'accord, ok. Kayla Bin Krug. C'est marrant comme nom. Oui. KBK. Kayla Bin Krug. Ça fait un peu nom d'actrice, je trouve. Enfin, dans un univers un peu fantasy, évidemment, mais... Kayla Bin Krug, franchement, ça fonctionne quoi. Genre, mère allemande, père scandinave. Ouais. Elle s'appelle Kayla Bin Krug, ça me choque pas. Oui, voilà, c'est ça. Je fais, ah bah. Elle est dans le nouveau blockbuster, tu vois. Ouais. Ok. Ou pas, hein. Non, elle peut simplement exister. Oui. Non, il y a un côté actrice, je trouve. Ah, il faut qu'elle. Ouais, ouais bien sûr. Vous ne trouvez pas votre deck? Bah, tu l'as perdu, du coup. Vérifiez dans votre poche ou dans celle du voisin. Oui, ça y est, Magic God. Au début, j'ai juste lu Urza était un obsédé. Bon. Urza était un obsédé. Ah, mais il est pas si ouf. Non, non, vraiment pas. Pas le héros qu'on souhaite. Non. Non, non, du coup. Teferi, il retourne. Il va voir Urza, il fait comment vous avez fait. Et Urza, il fait. Oula ! Je retourne à mon époque, moi. Alors, Teferi, la solution ? Bah, il va falloir qu'on se débrouille. Hein. Je sais pas. Et Urza était pas là. Je l'ai pas trouvé. Pas vu. Quoi. Pas celui que j'espérais. Je n'ai pas trouvé ce que je cherchais. Vraiment. Tombé sur un vieux port. Trouver un autre. Non, pas une réussite ce voyage. Pas la bonne époque. En vrai, ça match. Hein. Ouais, c'était une autre époque, hein, littéralement. Ça match de ouf. Ouais. Ah, il faisait plein de remarques. beaucoup de bagues en dessous de la ceinture. Gênant, quoi. Pas, non, je préfère encore Adjani, tu vois, maintenant qu'il est machine. Mais du coup, les plans vont disparaître. Plus sympa. Ouais, mais je préfère. Je mais, préfère. Pile ou face, il y en a 5 qui disparaissent. Faut être du bon côté de la team. Allez, je vais en premier. Allez, c'est parti.
C'est pas possible. Ça aussi, un jour, on la pioche, c'est cool. Et là, on la pioche. Je la garde. Trouve un mana rouge et la game est ouf. Et si on trouve pas de mana rouge, c'est un enfer. De toute façon, il faut trouver des landes avec cette main. Ouais, mais des landes rouges, c'est pas forcément évident, quoi. C'est notre deuxième source la plus répandue, quoi. On a trois tours. Faut prendre un land rouge. C'est ce qu'il faut faire. Pour l'équipe. Je crois. Allez, c'est parti. Let's go. Allez. Parce qu'on fait que piocher des landes avec ce deck. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Donc là, est-ce que c'est la game où on arrête de piocher des landes? Et je viens de me rendre compte de quelque chose. Quoi? Tu as Slogurk sur tes sleeves. C'est pour ça qu'on pioche comme des merdes. C'est Slogurk? Non, c'est pas lui, Slogurk. C'est une grenouille, c'est pareil. Pour moi, c'est tout Slogurk. Après, je t'ai dit que Slogurk, il nous a trouvé notre land rouge. Donc, c'est bam vrai. C'est vrai, c'est vrai. Et là, tu vas faire Krenko dans Shouldred. Je mets deux points. Eh bah tiens, c'est pas... J'allais jouer le deck, Michel. Tu pioches comme de la merde à l'instar de ce gros crapaud de merde. Mec, le gros crapaud, il carry, là. Bah du coup, oui. Du coup, oui. Parce que c'est Krenko dans Shouldred, je lui mets un board, c'est win. Hein. Ah, c'est excellent. Et en plus, tu peux gérer son board à lui. C'est ça qui est beau. Eh oui. Mais attends, il a changé de couleur, lui. Il nous a joué Golgari, la game d'avant. Il fait quoi, lui? Ok, oh. Kyo. Ah, toujours. Oh, ça bloque très mal, ça. Ça bloque très bien, ça attaque très mal. Ça bloque très bien, ouais. Ah, oh, mais Shouldred passe, hein. Bah, c'est le meilleur play, hein. Mais ça fait chier quand même qu'il ait sa putain de 5-5 à toutes les games au tour 3. Oui. Mine de rien. Putain, là, je vais piocher Kyodai et il fout sur le Krenko. Oh, je vais le déborder. Je vais le déborder. C'est quand tu sors le type du bordel. Oh, il faut faire ça. Sortez vos amis des bordels. Important. Si vous savez que vos amis sont dans un bordel, sortez-le du bordel. Ah, c'est bien ça. Ah, ça me va. Ça me va, ça me va. Mec, on grind. Alors. Tu vas faire manœuvre du diable à x égale 5. Je mettrai pas dans la gueule à celui-là. Bam. Mais tu peux pas. Hein. Putain. Il te manque un, non? Il bloque si j'attaque là. Tu veux vraiment savoir? Je sais pas. En vrai, j'attaque. Il bloque. Je fais ça. Et j'ai gardé ma manœuvre du diable. Et c'est bien? Ça va, non? Allez, vas-y, parce que tu peux l'exhumer après tout. Allez. Ouais. Là, il est obligé de tomber dans tous les trucs. Okay. Et en plus, on aura un petit buff. Merde. Hop. Ok. Oh, et là, je lui mets dans la gueule. Deuxième phase d'attaque. Ça, par contre, ça, c'est un peu anticipé. Après, s'il gère Shouldred, on va juste la réanimer avec la presse. Exact. Enfin, il gère Krenko. Ouais, relou. C'est un peu grave. Ça va pas animer. On savait qu'il avait ça. Tu veux réanimer Krenko? Non, garde pour ta Shouldred, non? Ouais, je pense que c'est mieux. Mais Krenko, c'est bien. On va juste le tuer avec ma. Après, flashback, hein. Il est trop mal en rouge. Hein. Donc là, je peux mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, 11. 10, 11, 12, 13, 14. J'ai l'étal pile poil. Hein. Vas-y, tue-le. Oui, seulement. Mec, alors je mets à 10. Je mets 5 dans la gueule. Ouais. Non, mais c'est un plan. Là, il va prendre 2. Et ça met 3. Shouldred, très bonne carte. Ça met même 4 en fait. Très bonne carte. Let's go. Ah oui, 4 parce que j'ai de land, ouais. On est des putains de voleurs, j'adore. Oh, on a rien volé, non, moi. Si, on a des voleurs. C'est volé. Notre deck, c'est un deck de 1, 2, 2, 1 tout au plus, quoi. C'est volé. Allez, c'est volé, bien joué. Félicitations. Let's go. Ah, il avait le cul entre deux chaises, notre deck, on l'a bien vu pendant les games, quoi. Mais c'était deux bonnes chaises. Oui. Voilà. Et il avait un cul. Et c'était un super cul. C'était un super cul, il prenait bien les deux chaises, donc on était bien assis quand même. Oh, et on débloque une mythique. Oh, génial. L'intrigant éternel. Tu sais que si je te demandais quel est le nom du nouveau Zur, je pense que tu me donnais jamais intrigant éternel. Ah bah non, bien sûr que non. Et moi non plus. Mais par contre, le nom du nouveau Urza, tu l'appellerais comment? L'Urza de celui qu'on a vu. L'Urza d'avant. L'Urza pervers dégueulasse. Ça fait pas beau hein, sur une carte, hein, mais bon. Excellent. Bon, bah écoute, notre deck, il était ce qu'il était, mais il a fait son petit score. Franchement, ça va. Mec, on a une... Oh, j'ouvre une récompense. J'en avais pas 4. Tu joues jamais U-White Control, peut-être? Bah pourtant, si, je joue U-White en Explorer, j'ai joué. Du coup, j'ai eu un doublon. Attends. Et t'as pas le droit d'avoir un doublon? T'as pas le droit? Bah peut-être que t'en jouais que 3, écoute. Bah, gros caca U-White Control. Oh, je vérifie maintenant. Hein. T'as une sacrée x4. Eh ben, j'ai eu un doublon. Donc, ma rare... C'était 20 gemmes là. Mais attends, t'as le droit d'avoir des doublons? Normalement, ça te met 20 gemmes, ça te met pas un doublon. Eh bah écoute, de la merde. Allez, ne jouez plus à ce jeu, de toute façon, nous on revient pas en janvier. Ah, nous c'est fini, s'il y a pas 30 000, on revient pas.
Tu sais pourquoi il s'appelle Gros Caca? J'ai une petite idée. Parce que je me suis dit, tiens, j'aurais bien eu Wild Control. Donc j'ai lancé Wild Control en Explorer, j'ai fait 4 games. C'était les pires games de ma vie, alors que je joue Phoenix. Hein. Donc vraiment, pour vous dire, je vis des games qui sont horribles des fois. Hein. Et ben du coup, je les rename Gros Caca. Mais je ne l'ai pas supprimé, j'ai juste rename. Est-ce que tu as affronté Mono Vert Dévotion? C'est des bons match-up. Et il n'y avait pas encore l'anthologie, c'était genre une semaine avant. Après, par contre, tu vas affronter Mono Blanc Humain, tu vas très caler, gros. Avec ça? Tu vas l'appeler Grosse Merde, je crois, ton deck après. Non, non, mais j'ai des verdicts suprêmes. Ah ouais, trop fort. Je suis pas sûr que ça suffise. Allez hop, ça dégage. Pouce bleu, anticipation de confiance. Non, pouce bleu, partage, commentaire, abonnement. Anticipation de confiance, vous avez déjà fait. Merci à tous pour cette année, ça a été une dinguerie. C'était super cool, merci. Et l'année à tous. Prochaine sera encore plus folle, avec encore plus de trucs dans les tuyaux. Et surtout, n'oubliez pas, c'était de la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.